Bonjour les petits bouquineurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Cœur de vampire, écrit par Agnès Laroche. Agnès Laroche est née en 1965 à Paris. Elle vit maintenant à Angoulême. Son trait de caractère est la distraction. Son mari et ses trois enfants peuvent en témoigner chaque jour. Même quand elle est là, elle est ailleurs. Un ailleurs où plein de rêves et d'idées se baladent. Elle a écrit des fictions diffusées à la radio, des romans pour la jeunesse et des articles dans la presse enfantine. Maintenant, le résumé. Le personnage principal est une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Lali. Elle est un vampire. Elle en a d'ailleurs assez. Dans 2 semaines, c'est les grandes vacances. Sa maman était au chômage et à présent a décroché un contrat de 6 mois pour analyser les tests sanguins. Lali voulait passer du temps avec sa maman pendant 2 mois. Son rêve vient de se gâcher. Les parents de Lali veulent l'envoyer à Joyeuse Tribu, une colonie de jeunes vampires. Lali refuse, alors ses parents veulent l'envoyer chez la cousine Constance. Lali ne la connaît pas. Alors, est-ce que Lali va aller chez sa cousine Constance? Que va-t-il vraiment se passer? À vous de lire la suite. Je vous conseille fortement Cœur de vampire pour son côté enquête et romantique. Si je le notais, je mettrais la note de 100 sur 100. Il était vraiment génial.